Bolanda binomoko. Soki tolobeli Maria Tumba te, n'étranger bakolobela Maria Tumba. Bolanda botala. En tout cas, étoile à moto, babomba ango kakate. Makambazo sala, soko bete ango kara. Batumusu bako bete ango karate. Soki na Congo bakolobela ango te, na Libanda bakolobela yango. Soki na Lingala bakolobela yango te, na Lopoto bakolobela yango. Bolanda, Bolanda, Bolanda. Cette jeune femme originaire du Congo Kinshasa peut être considérée comme l'une des influenceuses la plus influente du Congo et pourquoi pas de la diaspora congolaise. Elle est aujourd'hui la définition de ce qu'on appelle qu'il ne s'agit pas toujours de faire de longues études et de parler un gros français pour pouvoir réussir, mais il s'agit ici de réfléchir et de savoir manipuler les réseaux sociaux pour arriver à ses fins. Maria Tumba est partie de simples vidéos sur les réseaux sociaux et surtout son réseau social préféré TikTok à une grande femme d'affaires. Même si Maria Tumba est une femme très futée, elle n'a pas accompli tout ça seule. À ses côtés, elle a un allié de taille qui n'est autre que son petit ami Kevin Issa. Avant de parler du rôle de Kevin dans l'épanouissement de la jeune femme, j'ai envie de te poser la question. Quel est le rôle de ton petit ami dans ta vie? Est-ce qu'il te soutient dans tes projets ou il te sert seulement à frotter le dos? Ou toi aussi tu es en mode « je ne suis pas matérialiste, vanité des vanités, tout est vanité ». En effet, lorsque Maria Tumba a commencé sur les réseaux, elle était beaucoup critiquée et elle s'est retrouvée dans plusieurs scandales, ce qu'on appelle chez les Congolais « rando ». Elle était beaucoup jugée à cause de ses imperfections, notamment sa couleur de peau que beaucoup ne trouvaient pas uniforme. Elle était également jugée à cause de son physique, mais Maria n'a pas regardé à tout ça. Elle a persisté dans sa création de contenu. Malgré le regard que les autres avaient sur elle, Maria a pu gagner de la notoriété, ce qui lui a permis d'avoir le titre d'ambassadrice principale de la marque de perruques fabriquée à base de cheveux humains, Blissida. Maria ne s'est pas limitée à travailler pour Blissida. Elle a enchaîné avec des partenariats surtout dans le monde du cosmétique. Maria avait des rêves et elle était consciente qu'elle ne pouvait pas se limiter à de simples partenariats. Il fallait bien qu'elle se batte pour devenir également une boss lady. Maria voulait se lancer de façon sérieuse dans la vente de vêtements et elle avait conscience qu'en tant que célébrité, elle sera appelée à faire ses propres publicités. Et quoi d'autre pour faire une pub de vêtements si c'est pas un beau corps? Maria ira à la recherche de ce beau corps et elle va faire un lifting brésilien. Elle sera énormément critiquée sur la toile. Maria, toujours avec le mental solide, n'a pas regardé aux critiques parce qu'elle savait ce qu'elle était en train de faire. Après avoir eu ce beau corps, étant donné que Maria avait déjà un allié de taille dans sa vie, Kevin étant un homme congolais basé à Dubaï, Kevin a plusieurs activités, notamment la logistique. Il va s'impliquer dans le projet de sa petite amie. Il va l'orienter en ce qui concerne les achats de ses articles à l'étranger, notamment à Dubaï. Cette ville visitée par plusieurs commerçants et commerçantes qu'il connaît d'ailleurs très bien. Il va notamment faciliter l'importation des articles de l'étranger vers Kinshasa. Kevin est d'un grand soutien, notamment dans de grands projets comme dans la bêtise. À l'exemple de cette vidéo, lorsque Maria Tumba lui a fait porter une perruque pour rigoler dans une vidéo juste pour la pub. Enfin, en parlant de grands projets, Maria Tumba va finalement lancer son magasin d'articles de luxe seconde main le 15 juin 2024 dans le magasin qu'elle a nommé MN Style. La jeune femme commercialise plusieurs articles, des chaussures, des sacs à main, des montres. En gros, tout ce qui peut être en rapport avec la mode. Maria est honnête avec sa clientèle. Elle a tenu à préciser que ce sont des articles de second choix, mais de très très bonne qualité. Pour terminer, sa persévérance peut vous inspirer, comme quoi il ne faut jamais faire attention aux critiques. Maria Tumba, malgré les critiques et les persécutions, elle a su se relever. Elle avait un compte de plus d'un million d'abonnés qui a été bannie, mais elle n'a pas baissé les bras, elle a continué à travailler. Parce qu'elle savait de quoi elle était capable, elle a recommencé à zéro. Et aujourd'hui, elle a un compte de plus de 800 000 abonnés. Bote, ba papa, ba maman, bandeko.
Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba sainte Anwarita, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Cette jeune femme originaire du Congo Kinshasa peut être considérée comme l'une des influenceuses la plus influente du Congo et pourquoi pas de la diaspora congolaise. Elle est aujourd'hui la définition de ce qu'on appelle qu'il ne s'agit pas toujours de faire de longues études et de parler un gros français pour pouvoir réussir, mais il s'agit ici de réfléchir et de savoir manipuler les réseaux sociaux pour arriver à ses fins. Maria Tumba est partie de simples vidéos sur les réseaux sociaux et surtout son réseau social préféré TikTok à une grande femme d'affaires. Même si Maria Tumba est une femme très futée, elle n'a pas accompli tout ça seule. À ses côtés, elle a un allié de taille qui n'est autre que son petit ami Kevin Issa. Avant de parler du rôle de Kevin dans l'épanouissement de la jeune femme, j'ai envie de te poser la question. Quel est le rôle de ton petit ami dans ta vie? Est-ce qu'il te soutient dans tes projets ou il te sert seulement à frotter le dos? Ou toi aussi tu es en mode « je ne suis pas matérialiste, vanité des vanités, tout est vanité ». En effet, lorsque Maria Tumba a commencé sur les réseaux, elle était beaucoup critiquée et elle s'est retrouvée dans plusieurs scandales, ce qu'on appelle chez les Congolais « rando ». Elle était beaucoup jugée à cause de ses imperfections, notamment sa couleur de peau que beaucoup ne trouvaient pas uniforme. Elle était également jugée à cause de son physique, mais Maria n'a pas regardé à tout ça. Elle a persisté dans sa création de contenu. Malgré le regard que les autres avaient sur elle, Maria a pu gagner de la notoriété, ce qui lui a permis d'avoir le titre d'ambassadrice principale de la marque de perruques fabriquée à base de cheveux humains, Blissida. Maria ne s'est pas limitée à travailler pour Blissida. A enchaîné avec des partenariats surtout dans le monde du cosmétique. Maria avait des rêves et elle était consciente qu'elle ne pouvait pas se limiter à de simples partenariats. Il fallait bien qu'elle se batte pour devenir également une boss lady. Maria voulait se lancer de façon sérieuse dans la vente de vêtements et elle avait conscience qu'en tant que célébrité, elle sera appelée à faire ses propres publicités. Et quoi d'autre pour faire une pub de vêtements si c'est pas un beau corps? Maria ira à la recherche de ce beau corps et elle va faire un lifting brésilien. Elle sera énormément critiquée sur la toile. Maria, toujours avec le mental solide, n'a pas regardé aux critiques parce qu'elle savait ce qu'elle était en train de faire. Après avoir eu ce beau corps, étant donné que Maria avait déjà un allié de taille dans sa vie, Kevin étant un homme congolais basé à Dubaï, Kevin a plusieurs activités, notamment la logistique. Il va s'impliquer dans le projet de sa petite amie. Il va l'orienter en ce qui concerne les achats de ses articles à l'étranger, notamment à Dubaï. Cette ville visitée par plusieurs commerçants et commerçantes qu'il connaît d'ailleurs très bien. Il va notamment faciliter l'importation des articles de l'étranger vers Kinshasa. Kevin est d'un grand soutien, notamment dans de grands projets comme dans la bêtise. À l'exemple de cette vidéo, lorsque Maria Tumba lui a fait porter une perruque pour rigoler dans une vidéo juste pour la pub. Enfin, en parlant de grands projets, Maria Tumba va finalement lancer son magasin d'articles de luxe seconde main le 15 juin 2024 dans le magasin qu'elle a nommé MN Style. La jeune femme commercialise plusieurs articles, des chaussures, des sacs à main, des montres. En gros, tout ce qui peut être en rapport avec la mode. Maria est honnête avec sa clientèle. Elle a tenu à préciser que ce sont des articles de second choix, mais de très très bonne qualité. Pour terminer, sa persévérance peut vous inspirer, comme quoi il ne faut jamais faire attention aux critiques. Maria Tumba, malgré les critiques et les persécutions, elle a su se relever. Elle avait un compte de plus d'un million d'abonnés qui a été bannie, mais elle n'a pas baissé les bras, elle a continué à travailler. Parce qu'elle savait de quoi elle était capable, elle a recommencé à zéro. Et aujourd'hui, elle a un compte de plus de 800 000 abonnés. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando, na barandonete. Mbote batoyo, balingaka rando,
naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon naba jeune fille. Mbote banamike naba bébé. Mbote ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bomoni binomoko Maria Tumba balobeliye na moma oyo atikali susu na prede 1 million kelike au moins 2 millions d'abonnés te akoma na 800 000 abonnés me balobeliye petango balobeliye balobeliye positivement, balobi réellement oyazo sala. Ndeko oyazo loba, e jeni ya lobaka makambu international, ya mindele ya batu mwindu ya bashinwa, ya bekolo nyoso. Azali TikTok facilite, mazali TikTok difficile. Ye page na ye a kreye, ye mokwa lobaga comme journaliste, comme chroniqueuse. Petango ako loba makambo, clair ozako tala yango, pozako comprendre. Ako ko loba na histoire te ya TikToker mokwa zan Amérique Latine, to TikTokeuse. Pambate ya zaliwana, pona ko informe bato bazali ko sala sikse na baka oyoyo bato bazela kate ya TikTok. Yangwana alobeli Maria Tumba. Na kanisa alobiango en bref eningisi grâce temu michopo. Tango grâce temu azako tala bato basiba ya poto, ako tala na Kongo azana badiversaire te, ezali pasi pema wapona ye. Bana ya TikTok batala na bango na bango na bato TikTok. Me ba yebike bato YouTube, baza neti ba yaya na bango, to baza ba yaya na bango. Kasi tango yo ozo kokelo kote, to yo zo beta bango kara, bango bazo beto karate, bazo tala yaya oyoyo. Position nini, model nini zanango tilelo. Yango, bana ya TikTok, bana ya réseaux sociaux, bo fungo la misu neti grâce temo. Oyaka ba poto se bien. Après, li kamunini. Poto yebike. Toyoki oya Maria Tumba. Même ndeko mwasa tuni. Yo, ozana mobali. Kopeno meme lakonini na vina yo. Atoni bien poye pas à moi si. Alobi Maria Tumba kopena ye a contribuaka na sikse ya Maria Tumba. Na kanisa jeni mako konzoni. Na paripe azo refleshir so a osaranini. Me grâce te monde ngana kolobela. Parce que grâce temu azalaga na Kinshasa alaga na poto te. Bato bazaga na poto baza deja diferent. Ata ba se sentir diferente me, bato ba na Congo ba yebi bien. Soko koma na poto, ozamwa na poto. Banda YouTube, bato a réseaux sociaux na Kinshasa, ba kontaka na bato poto. Bien sûr, bato a Kinshasa pe,
misusu bazali ba edaka bato poto wana ba boss me majorité ya bato Kinshasa ba kontaka na n'importe quel muta poto siko tango moninga na yo youtubeuse moninga na yo influenceuse to influent azana poto na mikili. Alors, yomoko ya oyebi, yomoko za conscient ke bokontaka na bata poto ya niveau mususu. Yangwana grâce temo azale lo kamarada Saratola. Saratola azaga na Congo, maza responsable. Azana jikolo na e, aboko la gepe bien. Jikolo pepe sa kiamour. Pasala gamisala o Saratola tindaka e. Ndenge komama na lua ya ba jikolo. Mwasi, linga mobali na o jikolo. Jikolo soa soumi. Diego Pazalaga soumise. Soumis, hein? Ya mwana mobali. Soki Sara lobi Diego kende bilanga akei. Diego salaji asali. Me grâce temo. Toyebi kaka alobi na koma na ONG nanga. Tomonia kilamba desu, badesu na goma. Mboka anapea na madesu ebele, akaboli na kilike batu. Banda tomona wana esila. Tomona ye, aye, ake tazina zongi. Bazwele visa, aye France de fwa. Mojista salaga nini? Kolia, kolala, tondengi nini? Nda kupe to ebite pa ya vanda ka akoko boma nda kune to akoko lakisa. Yangwana ba Maria Tumba. Bazo beta na bango na bango na TikTok te. Azo beta kaka Chacha d'Or te. Azo beta ba Mervin te. Azo beta na ba Grace Temo. Bisika bazali a distance. Na kanisa grâce temo epai azali afungula miso a comprendre réalité ya makambo ezali soka ko comprendre ngote makambo nde ko faire comprendre ye réellement makambo nenge ezali ko kende grâce temo yeba Maseki ezali awa te na likambo etali lopemba na makambo etali sikse awa wande otali Maria Tumba balobi yango bien baesplika yango bien Maria Tumba ye moko pa lobaka bayaya oyo banda kotala na YouTube aza kobanga meme na nivwa za komona. Ata lobite, me grâce temo soko tali, image ya Maria Tumba, bakangie, na bakina per, wana kuti image zate, tala image, tango bakangi bakina per, babengisie, wana Maria Tumba realite pekaka. Wana Maria Tumba bauta kwa kina pe. Wana Maria Tumba lo kolonisa la kapasi. Amela kakaka kisi kalma pona badulere sila. Metangu Maria Tumba koti na TikTok. Bambongo aliboswa zwaki. Aweleli lo kolona e sante. Ezwa position amela kasuba kisi wanate. Atali imagine alobi fwa sale lango kitoko. Faut moi na bikonga a travailler dire.
faut pas respecter na bana ville y est pas respecté bango yango soki bongo te grâce te mona kanisa omoni yango nakolobela yo grâce te mo poza na Congo po yo mutu ozako dondwa ozwa voyage poto ozako se comparer na bato bazana poto or koza toujours en Afrique okoki ko se comparer moke na bato bazana poto soki deja o monte biloko lokola mari etumba tokolekai tozana ba activité mosusu esalaka même isara tola akoko se comparer na bato poto te atazali moins stable na mobali ne jigolo pamba te azana modela ko comparer te tamwa lakseri biso ka kende ko Dubai ayaka na ba container tolingai to comparer na ba ta photo to chena niveau moko ya bien me banda kende Dubai ayana de container ti lelo akende sosote sikoto mitunaga ateka de container normalement soko na de container oteki tango ko zwambongo zongi oyana 4 container ye banda teka akende sosote soki poteki de container okete alor fosala makambo mosusu makambo asala kezate kaka mobali ne bilanga na jiadesa donc mweto tya e penaliste okompare na bata poto ezate pamba te ba container wana ekokozala akendaki Dubai aliaki po saratola akosinie na nyonso boyebi yango bien abange eloko moko te aliaki po amema mbongo ndenge wana alobaki tikala mema ba container amema ba container aya lelo tomoni amuta kokompare na bato apoto te me mari atumba kende Dubai soki pa lia mbala liboso me apres kolia akutana na Kevin aliaka lisusu te sikonde akoma kosala mosala soki pa liaki te ye kaka po mari atumba ye pazali mutu ya kosinie aza muta kosinie alinga kokoma kinapere ata lobaka asalaki yango po atante esprit na bango me mari atumba alinga kokomane mpe kinapere makoma te gloire a die lelo oyo nasepeli namona batya ba image na internet batya makambo abwe bakolobela ye na TikToker facilité po TikToker facile na biso ye pa lobaka bien me wana eza kaka TikTok facile me oyo ezali TikTok difficile ntango oza na kati ya TikTok ndeko mwasi alobeli yo yeba alobeli yo osala eloko moko esengeli bato bayoka na mokili esengeli ba TikToker nyonso bayeba na monde ya TikTok international makambo ni ezoleka po mari atumba azobeta siko TikTok international koleka na emission ya TikTokers oyo eza lokola eza kudu lokola te mezali bo eza lokola okomi TikTokers oyo azwi medaille certifié nakanisa bandeko alobeli bino oyo eleki na TikTok botikala malamu et ciao. Cette jeune femme originaire du Congo Kinshasa peut être considérée comme l'une des influenceuses la plus influente du Congo et pourquoi pas de la diaspora congolaise. Elle est aujourd'hui la définition de ce qu'on appelle qu'il ne s'agit pas toujours de faire de longues études et de parler un gros français pour pouvoir réussir, mais il s'agit ici de réfléchir et de savoir manipuler les réseaux sociaux pour arriver à ses fins. Mari Atumba est partie de simples vidéos sur les réseaux sociaux et surtout son réseau
réseau social préféré TikTok à une grande femme d'affaires. Même si Maria Tumba est une femme très futée, elle n'a pas accompli tout ça seule. À ses côtés, elle a un allié de taille qui n'est autre que son petit ami Kevin Issa. Avant de parler du rôle de Kevin dans l'épanouissement de la jeune femme, j'ai envie de te poser la question. Quel est le rôle de ton petit ami dans ta vie? Est-ce qu'il te soutient dans tes projets ou il te sert seulement à frotter le dos? Ou toi aussi tu es en mode « je ne suis pas matérialiste, vanité des vanités, tout est vanité ». En effet, lorsque Maria Tumba a commencé sur les réseaux, elle était beaucoup critiquée et elle s'est retrouvée dans plusieurs scandales, ce qu'on appelle chez les Congolais « rando ». Elle était beaucoup jugée à cause de ses imperfections, notamment sa couleur de peau que beaucoup ne trouvaient pas uniforme. Elle était également jugée à cause de son physique, mais Maria n'a pas regardé à tout ça. Elle a persisté dans sa création de contenu. Malgré le regard que les autres avaient sur elle, Maria a pu gagner de la notoriété, ce qui lui a permis d'avoir le titre d'ambassadrice principale de la marque de perruques fabriquée à base de cheveux humains, Blissida. Maria ne s'est pas limitée à travailler pour Blissida. Elle a enchaîné avec des partenariats, surtout dans le monde du cosmétique. Maria avait des rêves et elle était consciente qu'elle ne pouvait pas se limiter à de simples partenariats. Il fallait bien qu'elle se batte pour devenir également une boss lady. Maria voulait se lancer de façon sérieuse dans la vente de vêtements. Et elle avait conscience qu'en tant que célébrité, elle sera appelée à faire ses propres publicités. Et quoi d'autre pour faire une pub de vêtements si c'est pas un beau corps? Maria ira à la recherche de ce beau corps et elle va faire un lifting brésilien. Elle sera énormément critiquée sur la toile. Maria, toujours avec le mental solide, n'a pas regardé aux critiques parce qu'elle savait ce qu'elle était en train de faire. Après avoir eu ce beau corps, étant donné que Maria avait déjà un allié de taille dans sa vie, Kevin étant un homme congolais basé à Dubaï, Kevin a plusieurs activités, notamment la logistique. Il va s'impliquer dans le projet de sa petite amie. Il va l'orienter en ce qui concerne les achats de ses articles à l'étranger, notamment à Dubaï. Cette ville visitée par plusieurs commerçants et commerçantes qu'il connaît d'ailleurs très bien. Il va notamment faciliter l'importation des articles de l'étranger vers Kinshasa. Kevin est d'un grand soutien, notamment dans de grands projets comme dans la bêtise. À l'exemple de cette vidéo, lorsque Maria Tumba lui a fait porter une perruque pour rigoler dans une vidéo juste pour la pub. Enfin, en parlant de grands projets, Maria Tumba va finalement lancer son magasin d'articles de luxe seconde main le 15 juin 2024. Dans le magasin qu'elle a nommé MN Style, la jeune femme commercialise plusieurs articles, des chaussures, des sacs à main, des montres. En gros, tout ce qui peut être en rapport avec la mode. Maria est honnête avec sa clientèle. Elle a tenu à préciser que ce sont des articles de second choix, mais de très très bonne qualité. Pour terminer, sa persévérance peut vous inspirer, comme quoi il ne faut jamais faire attention aux critiques. Maria Tumba, malgré les critiques et les persécutions, elle a su se relever. Elle avait un compte de plus d'un million d'abonnés qui a été banni, mais elle n'a pas baissé les bras, elle a continué à travailler. Parce qu'elle savait de quoi elle était capable, elle a recommencé à zéro. Et aujourd'hui, elle a un compte de plus de 800 000 abonnés. Mbote, ba papa, ba mama, bandeko. Mbote, barando, na barandonette. Mbote, batoyo, balinga karando, na ba oyo. Balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Bonjour fidèle internaute de www.elengakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya elengi ya komba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, la bataille.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Je suis en train de chercher des choses qui sont trop fortes. Et après, je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Il y a des choses qui sont trop fortes. Donc, je suis en train de faire des Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saute donc na ko le katisana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Je suis en train de chercher des choses qui sont trop fortes. Et après, je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Et après, je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Donc, je suis en train de faire Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saute donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.